Haïti.com, zami compatriotes, nous comptons avec vous encore une fois dans la dernière vidéo. Ça, eh bien, nous portons un pile d'informations pour vous. Je dis à la, dans le département la Tibonite, là, c'est Deblozaï et c'est Gorel qui gagne. La police met pied à terre. Et nous connaissons depuis quelques années, nek sa vie, nek Jean Denis, nek sa ou te pren département la Tibonite lan pou yo. Et bien, je dis à la police qui a même besoin de contrôle situation insécurité qui a valé terrain depuis plusieurs années en dans département. Et bien, je dis à la, nan échange coup de zam qui te gen entre la police et bandi, n'a dit ou gen pou pipiti 6 bandits qui ont même mortellement blessé et gen 2 policiers qui ont même pren balle et nous pral invité ou tande. Yon audio comment policier t'a demandé renfort, mais est-ce que tu joué renfort? Parce que nous ces jours-ci, les nèg yo mande renfort, yon pas jamais joué renfort. Les nèg yo mande secours, yon pas jamais joué secours. Et bien c'est comme ça ou ouais, bandi yo même tout envahi et puis retirer la vie policier. Mais jodi a la dans Saint-Marc, la police qui fait un gros coup de filet là à côté, et bien environ 600 bandits à la dormi à jamais. Et bien, il y a plus de monde dans le département de la Tibonite qui bat bravo pour la police qui fait beaucoup ça là, même si il y a deux policiers qui ont même victimes, qui prennent balle, qui prennent balle dans le dos. Et donc, il y a vraiment chauffé dans le département de la Tibonite, mais la police qui ont même, et donc, il pas oublié, et c'est en face de bandits, et bien, il y a des bandits qui ont et donc, il y a des en tout cas, et n'a dit pour la police là, continuer comme ça, nous vraiment remet les gens de travail ça va fait, c'est retiré. Et donc, les bandits qui ont baillé la population un problème dans Figimoun. En tout cas, nous allons inviter vous à gain détail. Dossier Jovenel Moïse, dossier Ariel Henry, mesdames et messieurs. Et bien, Abdou, dans le moment où on a parlé là, Ariel Henry, monsieur, et pas dans le pays. Ya. Monsieur, pas dans le pays. Ya. Monsieur, voyager malgré Jean pays, ya, et malgré Jean bandit a théorisé, malgré Jean bandit a tout le monde, Ariel décidé pour la lancer au maire, il décidé pour la en agenter. En Argentine, qui donc Ariel Henry là, monsieur Paquier pour moun kap moun yo, monsieur Paquier pour façon bandit à prendre territoire dans le pays. Ça intéresse Ariel, c'est bagay international. Bagay international, on sourit mouri. Ariel déjà fait 8 temps pour souhaiter condoléances à la famille sourit ça, mais dans le pays d'Haïti, monsieur pas jamais mentionné rien. Mais si plusieurs policiers sont mouru là en bas de balle, vite l'homme. Jusqu'à présent, Ariel pas lâché un mot qui touille l'empereur, comme dit les anciens. Nous allons inviter au détail. Bonne écoute tout le monde. N'a tout. Mais c'est vrai, enfant, on prend balle dans le dos. Et puis, quand tu prends balle, l'autre n'est pas gommé rapide. Vous voyez, enfant, mais c'est. Moi, je viens de mon cas là. Par contre, côté, je viens de là, mais je prends balle. Je prends balle. Monsieur Saint-Marc, le grand policier blessé, fait diligence pour nous entreprendre Kounia là. Monsieur, on pas qu'on est rentré en contact ensemble avec Inara, fait n'importe machine dans rivé prend policier pour rentrer ensemble avec c'est marqué en urgence. Mais c'est vous renfort, on prend balle dans dos et puis qui était prend balle, l'autre nèg gab gomme rapide. Voyez renfort monsieur. Oui, voyez renfort, c'est thème ça, c'est mot ça que nous tendez souvent ces temps-ci, voyez renfort. Mais au-delà que nous poursuivons avec actualité ça pour vous, eh bien, nous allons toucher également dossier TPS, parce que nous, après que nous avons plusieurs villes aux États-Unis qui décidaient de porter plainte pour le programme Biden, pour partir 30 000 migrants par mois, eh bien, administration Biden n'a pas croisé boyau. Joe Biden, levé pied, mesdames, messieurs, il retourne plus raide, plus fort, plus solide avec question TPS, non? Haïtien aux États-Unis qui y a problème TPS, eh bien, bonne nouvelle pour yo, nous pas toucher ça, puis sous même dossier TPS là, eh bien, en pile haïtien, mesdames, messieurs, dans question de déportation, administration, même administration Badenza, eh bien, déporté en pile haïtien là, nous pas toucher ça, mais avant ça, permettre que nous rentrer Saint-Marc tout de suite, Pradel, Napsalio Frem, comment est-ce? Et bonjour, bonsoir, nous saluons tous les amis, sans plaisir. Et bien, pour nous-mêmes, nous capables d'informer vous. Et bien, nous pourrons aller directement au niveau du département de la Tibonite, dans le ministère
que n'a pas parlé là et côté que gagné un pile balle qui a chanté au niveau de zone Yanko. Et bien là Yanko qui lui-même c'est yon local yon commune, et bien c'est dans zone douette au niveau de la Tibonite. Et bien n'a donc et depuis hier bandi Savio qui eux-mêmes yo occupé route nationale là côté que yo censé et a opéré et bien au niveau de zone Yanko dans département et la Tibonite. Et bien d'après un rapport qui sorti au niveau de la police qui est fait tomber là, et bien direction départementale la Tibonite, et bien il y a un bilan et provisoire côté que yo dit qu'il y a deux policiers qui blessés, il y a six bandits dans gang Savio qui mourir. Et bien, on attaque bandit contre et commissariat Yanko. D'après responsable, commissariat Yanko, subit 3 attaques bandit au journée mercredi 25 janvier 2023. Première attaque la fête, bien bonnet, le matin, vers 7, et bien, dans la localité Moudouette, qui lui-même, et c'est côté 3 bandits qui arrivent tomber, ils ont replié à cadavre dans la base Savien, et bien, bataille ça, il était duré une heure et bien 45 minutes d'après responsable de la police. Il y a une deuxième attaque qui fait, la même journée, jeudi, vers 10h, eh bien, ils prennent l'autre échec encore d'après la police. Ils ont couru quitter un canté, eh bien, ils ont été là-dedans, eh bien, machine ça, ils sont sous contrôle de la police. Ils ont replié encore, bataille ça, ils étaient durés 20 minutes. La police qui a continué toujours, service et communication, ils ont une troisième attaque qui fait à 11h18, avec plus de renfort, eh bien, ils ont attaqué sous et deux points, et bien, bataille, ça a duré 2h26, il y a deux policiers qui blessés, 3 bandits tombés encore, et bien, la police perdit 2 machines, pendant que les policiers ont évacué le confrère, ils ont bloqué dans mes crapales là, bandits, ça vient, il y a 2 machines qui pour la police. Et bien, premier élément, ils ont rapporté que balle qui blessait les policiers, et bien, c'est un calibre 9 mm que moun la population lien court qui a appuyé bandit et t'a tiré policier dans dos et bien pendant y a combattre bandit qui était en face yo. La police au niveau de la Tibonite a préparé yon et confond et un compte offensif et bien pour capable déloger bandit ça vient yo dans un temps qui va long. La police promet la communiquer et bien sur toute évolution situation au niveau de commune en cours. Direction départementale là qui a félicité courage et détermination policiers dans la lutte contre bandits dans le département de la Tibonite. La population a toujours rappelé le sacrifice noté fait et bien pour être capable de permettre de vivre libre afin que déplacer tout côté y a besoin d'aller et bien le service départemental communication la date jeudi à qui c'est 25 janvier 2023 côté que la police lui-même et li baille information côté li confirmé gagné 2 policiers qui blessés. Et puis, il y a arrivé plus de 6 et plus passer 6 bandits, et bien, dans Gang Savien. Et bien, d'abord que Gang Savien, ça, c'est un gang qui vient puissant, côté que monsieur, il a occupé route nationale, et puis, à cause de des zones, et il y a encore, c'est là que tout le monde passé, et bien, puisque nous connaissons qu'au niveau des zones Canaan, et bien, machine Saint-Marc, machine Grenoble, ils ont même pas capacité pour aller dans zone ça, ils ont obligé de passer et premièrement au niveau des zones et bien coup pour sonder et bien puis eux même ils sont capables et aller Port-au-Prince et bien aux situations pour dire que grand plus de monde qui dit que la police lui-même il a supposé et bien montrer puissance qui gagne face ensemble avec gang qui a terrorisé et population côté que gang ça vient ça donc on connaît que c'est et Nixon et bien c'est lui-même qui censé est responsable et bien et Nixon et qui lui-même Nixon il mais c'est la famille Elan, et bien depuis on monte c'est la famille Elan, et qui sorti dans zone ça, dans zone ça, vient dans tir de la Tibonite, et bien parce que, il n'y a pas jamais parlé de population, jusqu'à ce que M. Vigne tourne gros chef gang, c'est lui-même qui a priorisé et population au niveau de la Tibonite. Et nous, donc, nous parlons de Ebradel, t'assemblé, il y a 2 machines police, et que M. Gang ça reprend. C'est pas l'assemblée, non, c'est ça, parce que c'est et direction départementale de la police qui dit que monsieur, il prend 2 machines, et bien la police même lui prend un canter qui dit que même te gagne, et bien même il arrive à prendre 2 machines et qui était dans mes policiers, nous ne savons pas est-ce que machine se marquée la police ou bien nous connaissons, mais d'abord c'est un groupe gang qui au même qui a terrorisé la population, et bien je vous dis à tout le monde de la population, il remercie les politiciens la Tibonite parce que c'est eux-mêmes qui tapent armé nèg dans tous côtés net, et puis eux-mêmes qui capable faire élection pour eux, et bien surtout, et nous connaissons que comment ça les mettre au niveau de titulaire de la Tibonite, et bien c'est ancien parlementaire, c'est eux-mêmes qui bat nos gangs à la Tibonite.
Voilà, eh bien, n'a pas juste répondu au voice là, une fois de plus, mesdames, messieurs. Policiers, ça a quitté en panique. Eh bien, n'a pas juste répondu pour dans quelques secondes, mais quand même, j'en nous dis, bonne nouvelle là, c'est que Jean remettait là, Jean qui nous souhaitait là, c'est que policiers, yo agi, yo réagi, côté que Gen nous dit, à peu près 6 bandits, et ça vient, eh bien, qui tombaient mortellement, mais par contre, bon nous, une fois de plus, évitons d'entendre audio ça, mais par contre, et pas d'elle, nous pas monter mon image, et bandits qui mourent, parce que c'est sûr certain, nous pas rien, et autorisation pour nous montrer ça sur les ondes, mais quand même, et au-delà des policiers, ça a blessé, mais quand même, 6 bandits tombés mortellement, je pense que c'est quand même, et correct quand même. Oui, parce que c'est ça, et 6 bandits qui tombés, mais nous voulons faire des cris policiers, et la minute que eux-mêmes étaient arrivés et prend balle, bah, mes bandits, et bien, je veux dire, c'est mon la population qui t'a tiré, et même face avec, et policiers, parce que bandits, bah, au cop. En côté extrait, et policiers, ça. Voilà. Et puis, c'est ça, nous toujours dit, nous demandons des populations, mettez-nous beaucoup de la police. Mettez-nous beaucoup de la police, mesdames, messieurs. Nous pas qu'à, comme s'il y a pas pu les bandits, nous pas qu'à cacher pour bandits, pour gang. C'est eux-mêmes encore qui font nos victimes. La police là pour protéger nous, pour servir nous. Oui, nous connaissons quelques mauvais gangs dans la police, non. Mais en temps normal, la police a fait un beau travail. Une fois de plus, bon, nous reprenons du rapport. Monsieur Saint-Marc, un policier est blessé. Fait diligence pour nous entreprendre Kounia là. Monsieur, on pas qu'on est rentré en contact ensemble avec Inara. Fait n'importe machine dans rivé prend policier pour rentrer ensemble avec Saint-Marc en urgence. Monsieur, gen policier blessé, fait diligence pour arriver prendre Kwamoro. Gen un policier blessé, fait diligence pour rentrer. Monsieur, gen policier blessé. Monsieur, vous renfort, on prend balle dans dos et puis qu'était prend balle, l'autre nèg gab gomme rapide. Vous renfort, monsieur. Moi vinn non kay là, par contre côté mi, dans kay là même prend balle. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, nous avons des policiers, hein, et avec son voix vraiment inquiétant, et qui dit qu'elle prend balle. Mais qu'on est après d'elle. Et là, je pense que l'erreur est faite pour tout prince là. Et là, ça a sûrement le pas produit là, parce que nous n'attendons en rien. Mais est-ce que renforcé quand arrivé, jeune policier, ça, nous t'en mesdames, messieurs, qui dit qu'elle prend balle là. Est-ce que nous comptons si renforcé quand arrivé à temps, et ferait pas, mais t'as donné 6 bandits qui tombent mortellement? Oui, nous pensons que le directeur départemental là lui-même il était qui a envoyé renfort et bien pour policiers et bien parce que c'est depuis hier que bandits même ont été occupé espace là chacun des doulés et bilan d'après la police c'est 2 policiers blessés 6 bandits dans gang base gang rustavien blessés mortellement dans attaque qu'ils ont fait et bien sous commissariat Liancou jeudi mercredi 25 janvier 2023 et bien la police dit perdit 2 machines pour de temps évacuer confrères et bien d'après sa service communication la police dans le département de la Tibonite qui est censé rapporter nous n'a pas avancé n'a pas quitté dossier ça et bien non pour aller dans l'autre dossier ça et pas nous bandi ça vient yo occuper route principale Liancou là je dis il bloquer circulation et puis tirer en pile coup de zam et avec la police bien bonheur matin d'après ça nous apprenons, porte-parole syndicat chauffeur Balati Bonito, Alix Duverger, qui regrette la situation qui a passé sous route pendant le mandat pour l'autorité et prend bon genre disposition pour ce genre de situation. Ça n'est pas refait encore, mais sans m'adhérer pour plus de détails. Bien bonheur matin, mercredi 25 janvier 2023, route commune Liancoua est bloquée à cause de bandits Savio, venant attaquer par la police qui empêche de mener l'activité. Ça qui la cause en qu'un bus pas quitter Grand Nord avec la Tibonite pour entrer dans la capitale là. Porte-parole syndicat chauffeur à propriétaire véhicule par la Tibonite Alex Diverger dit Zak insécurité représente un gros problème non seulement pour chauffeur mais tout pour tout le monde qui fréquente la route là. Pendant demander autorité yo fwa ça pour responsabilité yo. Il y a plusieurs chauffeurs qui étaient Saint-Marc qui t'a bralé les arrivé pour sonder yo obligé camper parce que et monsieur ça vient yo fait deux groupes et y a tiré avec la police ça qu'a de fait qu'il y a responsabilité c'est responsabilité l'état ça que fait nous dit responsabilité l'état parce que c'est la police qui doit faire sécurité et dans pays là parce que nous même nous se transporter nous pas la police nous pas l'état
Ça veut dire si vous avez un côté, c'est la police pour la débloquer la route là, pour le bas passage. Nous-mêmes, tout le monde a obligé à souffrir, tout le monde a souffert en général parce que, par la sécurité, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas porter tête dans tout, à le porter par bandit pour retrouver nous tout. Passagers, y compris chauffeurs, tout le monde en général. Commissaire police là, David Jean-Mathias, nous avons parlé avec lui, qui va le voir l'enregistrer pour mettre la population, hein, il a continué contre les carré bandit pour la paix tourner dans la région. Hein. Pendant moun ka viv nan Marin, Matino, La Chapelle, pour citer ça seulement, bloqué route là mercredi 25 janvier 2023 à cause machine yo di ki ba yo trop poussière sur route là. Balati Boni Saint-Marc, Mille Saint-Mathieu, Kiskeya. Probablement Mille Saint-Marc gen pour le banon l'autre circuit parce que yo parle nous de plusieurs moun qui mouri. Nous espérons la porter plus précision avec détail. Pour qu'on y là ne pas avancer nous trop concernant chiffre yo. Et puis dans sud condition monde qui a vive cité Delma ak nan Savane pas suspend détérioré chaque jour plus d'après quelques leaders communautaires dans zone nan et quelques citoyens qui a vive dans quartier sa yo et qui te parlé ak un correspondant nous fait connait yo pa gagne route yo pa gagne de l'eau potable pour boire yo pa gagne toilette pour faire besoin yo et Pierre Richard Saturne pour plus de détails. Baudoui Latayad, yon leader communautaire dans cité d'Elma Okaï, expliquait c'est depuis après tremblement de terre 14 août 2021 passé à moun yo nan cité a vive nan grand difficulté. Leader communautaire qui dizon nan gen besoin route, de l'eau potable, canal, protection beige la ravine, fait connait toute institution qui te fait promesse pas jam passé wè yo. Nous pa gen route, pote route la krasé net, nous mande pou TVTC ta passé nan zone nan pou ta vini passé quelques tremblé passé quatre pou nou. Mairie Okaï même, d'après tout le monde a dit a vive vin nan évalué bon nous mentir mais on peut là pas bon rien nous va recevoir même berge au bail pas l'autre bois et puis nous même nous va gagner berge nous va gagner rien et nous besoin canal dans zone dans tout pour l'eau là pour tomber pour drainer de l'eau pour elle tomber pendant l'autre bloquer la comme et là nous gagnons un peu nécessité dans zone quelques autres citoyens dans cité d'Elma dit condition y a vivre là pas bon du tout même si mon yo pas capable voyer l'école yo souhaité zone là ta gain éclairage à côté pour mon faire besoin yo c'est la misère nous si mon yo pas ca l'école yo lagué la terre pas pas gen toilette bon dig la ravine nan moun pa ka passer pou pa ka pran respiration pour l'état qui concerne yo capable ban nou lampade parce que le soir les moun yo a rentrer là pa wè ki bo a rentrer pa gen aucun éclairage pour montrer nous ki bon a met pied nan zone cité d'Elma la mande pour bay zone cité d'Elma aide moi même nan fin grand moun gen 6 8 mais 12 c'est bat débat pour boucan nan jour mais pa gen espoir c'est même constat dans la savane Okaï côté moun yo a vive nan yon condition qui déplorable. Citroën yo di pi gros besoin dans zone ça, c'est toilettes ak de l'eau potable. Pendant yo souliye le la pluie tombe, rigol yo ki pa nettoye fait de l'eau rentrer la caille yo. Nous pas besoin l'autre et puis après sa toilette nous besoin. L'état a essayé de nous supporter nous, la façon yo capable, j'ai yo capable parce que c'est mon nous tout nous ta ramené que pour ba yo capable changer pour nous. Pour faire toilette la même dans son bagage li même qui pas bon même parce que là ouais mon vini, li gen ti moun, li gen l'autre moun a vini pour vini la faire hygiène la baisser à terre. Ça va bon même. Pasteur Kisnel Pierre, yon leader communautaire dans zone savane, estime autorité au pajam songe zone savane même. Pour question trois lettres là, pasteur a dit fait plusieurs démarches bon côté ONG yo, mais en yen. Pajam marché, li dit c'est seulement les gen élections. Homme politique yo songe gen moun kap vive nan la savane. Sans vous cacher pour moment ça là, dit tout. Moment ça, ça grave. Majorité peuple là, c'est besoin yo fait li la mer. Vous te écrit en pile, vraiment organisation, soit à l'étranger, mais yo pa ko jam ka répondre nous et n'a demandé autorité k'ap tande nous là c'est pour yo capable longer men la savane parce que savane pas long état normal. En tout cas situation ça pas différent pour divers autres quartiers populaires dans département sud là qui pas suspend défiler dans micro la presse pour mander autorité au narita voyager garder yo et créer conditions pour monde vivre dans pays ya. Pierre Richard Saturne pour Radio Kiskeya Verokai. Toujours dans ça qui concerne les services d'État Pabay, c'est Tigouave qui dénonçait EDH. Ça fait plusieurs mois depuis que je n'ai pas lumière. Je n'ai pas courant dans la région. Citoyens qui ont parlé à correspondant nous, je dis exiger pour le gouvernement, dire un mot dans la question blackout ça. Yo lié à l'insécurité qui gagne dans Tigouave qui, au lieu de baisser, c'est augmenter la pour augmenter chaque jour plus. Mackenzie Zikou pour plus de détails.